entre ici. Tu ne seras l'hôte d'aucune famille étroite, mais celui de toute la grande famille militante et blessée, battue mais invincible. Tu seras l'hôte de Dieu et ton âme sera chez elle. Que ces mots du pasteur Charles Wagner, fondateur du foyer de l'âme, vous accueillent ce matin dans ce temple ou plus loin par le biais des réseaux sociaux. Et que chacun soit assuré en cet instant et pour chaque jour de sa vie de la grâce inconditionnelle offerte par Dieu le Père et par Jésus-Christ en son humanité. Ensemble, prions, toujours par les mots du pasteur Wagner. Que ta volonté, ô Père, soit faite sur la terre comme aux cieux. Pourvu que tu sois au gouvernail, la barque de nos destinées est en sûreté. En deçà, comme au-delà de cette ligne mystérieuse à l'horizon, qui, pour nous, sépare ce qui est de ce qui sera. Sur toi, je me repose. Amen. Et nous pouvons nous lever pour chanter ensemble le premier scrutin.
place. Écoutons à présent la volonté de Dieu pour nos vies, à travers ces mots de l'apôtre Paul. Je vous invite donc, frères, au nom de cette immense bonté de Dieu, à lui offrir votre corps comme un sacrifice vivant, saint et qui plaise à Dieu. Voilà quel sera pour vous le culte conforme à la parole. Ne vous laissez pas modeler par le monde actuel, mais laissez-vous transformer par le renouvellement de votre pensée pour pouvoir discerner la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréé et parfait. Et nous chantons ensemble le spontané suivant. Éternel, trop souvent nous doutons de toi, nous construisons de toi une image fausse. Trop souvent nous substituons à ta parole notre interprétation humaine de ce que ta parole n'est justement pas. Trop souvent nous sommes enclins à nous classer selon des schémas de valeur que tu ne nous demandes pas, négligeant notre confiance en toi, négligeant l'altérité et en définitive nous négligeant nous-mêmes. Éveille nos consciences, ô Éternel, à ton indéfectible amour. Et conduis-nous en confiance absolue sur les sentiers de la vie vivante dans ta lumière. Amen. Thank you.
Ensemble, prions. Seigneur, en cet instant où nous nous apprêtons à lire les Écritures, aide-nous à les comprendre, à les interroger, à les clarifier et à en faire vivre le sens au cœur de nos existences d'aujourd'hui. Amen. L'extrait, ou plutôt les extraits, sur lesquels portera notre méditation d'aujourd'hui sont tirés du premier livre des Rois. Tout d'abord, au chapitre 18, les versets 22 à 40. Le roi d'Israël, Achab, ayant épousé la syrophénicienne Jézabel, introduit le culte de Baal, dieu de la fertilité, seigneur de la pluie et du feu. Le prophète Élie annonce alors au roi une grande sécheresse sur le pays. Il doit fuir au bord du Kérit, puis à Sarepta, pour sauver sa vie. Pendant ce temps, la reine fait massacrer les prophètes de Yahvé. Et après 3 ans de clandestinité, Dieu renvoie Élie auprès d'Akab pour lui annoncer enfin le retour de la pluie. Élie, après avoir vivement blâmé le roi, l'enjoint à réunir au mont Carmel tout le peuple d'Israël et les 450 prophètes de Baal. Achab ayant accédé à sa demande, voici maintenant les faits. Et Élie dit au peuple : Je suis resté seul des prophètes de l'Éternel, et il y a 450 prophètes de Baal. Que l'on nous donne 2 taureaux, qu'ils choisissent pour eux l'un des taureaux, qu'ils le coupent par morceaux et qu'ils le placent sur le bois, sans y mettre le feu. Et moi, je préparerai l'autre taureau et je le placerai sur le bois, sans y mettre le feu. Puis, invoquez le nom de votre Dieu. Moi, j'invoquerai le nom de l'Éternel. Le Dieu qui répondra par le feu, ce sera lui le vrai Dieu. Et tout le peuple répondit en disant : C'est bien. Élie dit au prophète de Baal : Choisissez pour vous l'un des taureaux, préparez-le les premiers, car vous êtes les plus nombreux, et invoquez le nom de votre Dieu, mais ne mettez pas le feu. Ils prirent le taureau qu'on leur donna et le préparèrent. Et ils invoquèrent le nom de Baal depuis le matin jusqu'à midi, en disant « Baal, réponds-nous !» Mais il n'y eut ni voix, ni réponse. Et ils sautaient devant l'autel qu'ils avaient fait. À midi, Élie se moqua d'eux et dit « Criez à haute voix, puisqu'il est Dieu !» Il pense à autre chose. Il est occupé, il est en voyage, peut-être qu'il dort, il se réveillera. Et ils crièrent à haute voix, et ils se firent, selon leur coutume, des incisions avec des épées et des lances, jusqu'à ce que le sang coulât sur eux. Lorsque midi fut passé, ils prophétisèrent jusqu'au moment de la présentation de l'offrande, mais il n'y eut ni voix, ni réponse, ni signe d'attention. Élie dit alors à tout le peuple : Approchez-vous de moi. Tout le peuple s'approcha de lui. Et Élie rétablit l'autel de l'Éternel qui avait été renversé. Il prit 12 pierres d'après le nombre des tribus des fils de Jacob auxquelles l'Éternel avait dit : Israël sera ton nom. Et il bâtit avec ces pierres un autel au nom de l'Éternel. Il fit tout autour un fossé de la capacité de 2 mesures de semence. Il arrangea le bois, coupa le taureau par morceaux, le plaça sur le bois. Puis il dit : Remplissez d'eau 4 cruches et versez-les sur l'holocauste et sur le bois. Il dit : Faites-le une seconde fois. Et ils le firent une seconde fois. Faites-le une 3e fois.
et ils le firent une troisième fois. L'eau coula autour de l'autel, et l'on remplit aussitôt le fossé. Au moment de la présentation de l'offrande, Élie, le prophète, s'avança et dit « Éternel, Dieu d'Abraham, d'Isaac et d'Israël, que l'on sache aujourd'hui que tu es Dieu en Israël, que je suis ton serviteur et que j'ai fait toutes ces choses par ta parole. Réponds-moi, Éternel, réponds-moi, afin que ce peuple reconnaisse que c'est toi, Éternel, qui es Dieu, et que c'est toi qui ramènes leur cœur. » Et le feu de l'Éternel tomba. Il consuma l'holocauste, le bois, les pierres et la terre, et il absorba l'eau qui était dans le fossé. Quand tout le peuple vit cela, ils tombèrent sur leur visage et dirent « C'est l'Éternel qui est Dieu, c'est l'Éternel qui est Dieu. » Saisissez les prophètes de Baal, leur dit alors Élie, qu'aucun d'eux n'échappe. Et ils les saisirent. Élie les fit descendre au torrent du Kison, où il les égorgea. Ce récit que nous venons de parcourir propose une scène pour le moins spectaculaire. Nous sommes les témoins, à distance dans le temps, d'un défi opposant deux équipes. À ceci près, Élie est seul de son côté. Défi visant à démontrer à grand renfort de prouesses surnaturelles la supériorité de l'une par rapport à l'autre. Dans quel objectif? Prouver au peuple que, de Baal et de Yahvé, l'un est un faux dieu et l'autre l'unique véritable. La réponse nous paraît sans doute évidente et on se demande s'il était vraiment utile de déployer autant d'effets spéciaux pour y parvenir. Il y a sans doute un sujet, mais finalement aucune vérité inédite qui en découle. Les conditions d'engagement du défi, pour ne pas dire du jeu, posent elles-mêmes question. D'une part, et c'est important pour ne pas dire essentiel à souligner, parce que Dieu n'a jamais rien demandé de tel à Élie. La tournure que prennent les événements est à l'exclusive initiative du prophète. D'autre part, parce qu'à deux titres au moins, Élie n'est pas parfaitement honnête dans la façon dont il pose le contexte. S'il y a bien quelqu'un qui n'a aucune raison de douter de l'existence de Yahvé, c'est bien lui, porteur du message même de l'Alliance, traduit en ces termes par le Deutéronome. « Écoute, Israël, l'Éternel notre Dieu est le seul Éternel. » Autrement dit, Élie fait un pari sur Dieu tout en n'ayant aucune raison de douter de sa propre victoire. C'est une sorte de jeu de dupe qu'il propose au prophète de Baal. Ajoutons à cela qu'il se désigne comme seul prophète de Yahvé alors qu'il sait pertinemment, le texte nous l'apprend un petit peu plus tôt, que son serviteur Abdias a caché 100 autres prophètes dans deux cavernes. Il oriente ainsi la perception de la foule en se mettant en avant, à la fois comme élément minoritaire, mais aussi catalyseur, en quelque sorte, maître du jeu. Et si l'on observe qu'en cours de route, il ne manque pas de railler ostensiblement ses adversaires en échec, la démarche n'est déjà pas tellement glorieuse. Chaque partie procède tour à tour aux invocations attendues. Rien ne se passe du côté des prophètes de Baal, tandis que Yahvé enflamme le bûcher de bois mouillé qu'a fait dresser Élie. Il fallait bien ajouter pour lui une difficulté supplémentaire, histoire d'attester encore plus fortement le moment venu de sa supériorité. Le souci à ce stade, c'est qu'Élie offre à voir une représentation de Dieu dans la puissance
et dans le feu, qui n'est ni plus ni moins que celle du supposé Baal. Non content de s'avancer en super champion de Dieu autoproclamé, Élie donne Dieu en spectacle, en corrompt l'image, et propose, sans s'en rendre compte, un nouvel objet d'idolâtrie. Alors oui, Yahvé, ou plutôt Élie, en réalité, sort vainqueur du défi. Quelle surprise, me direz-vous. La mise en scène spectaculaire et les imprécations d'Élie aidant, la foule tombe à genoux et scande le nom de Yahvé. On pourrait presque se croire devant certains de nos jeux télévisés à une heure de grande écoute, tant l'atmosphère est conditionnée. Ceci dit, même si la méthode a de quoi susciter le doute, il n'est pas interdit d'imaginer que dans la suite directe de cette démonstration, Élie aurait pu user d'une certaine pédagogie pour nuancer et affermir cette adhésion de la foule. Mais était-ce réellement possible? Un point de non-retour n'a-t-il pas déjà été franchi? Et en effet, c'est ici que tout bascule. Que tout bascule dans l'horreur. Soit parce qu'Élie n'est pas pleinement satisfait de la réaction du peuple, peut-être s'attendait-il à de violentes représailles de la foule à l'égard des prophètes de Baal, voire un soulèvement immédiat et massif contre les souverains idolâtres. Soit parce qu'il est débordé par l'exaltation de sa mise en scène et laisse s'échapper ses propres pulsions. C'est en tout cas un dérapage abominable avec la mise à mort de ses propres mains, avec une complicité induite du peuple de 450 individus. Détail intéressant, dans le texte, aucun commentaire sur cet acte épouvantable, aucune réprobation relatée de la part de Yahvé, ni même d'avis personnel du ou des auteurs. Et nous allons voir qu'il n'en est pas réellement besoin. À lui seul, le coup d'éclat finalement tragique d'Élie fait son œuvre et se transforme en un échec cuisant. Un échec parce que finalement, rien ne garantit maintenant au prophète la conviction absolue de la foule. D'autant qu'il s'est fait l'émissaire meurtrier d'un dieu de feu, aussi de mort, qui ne peut qu'engendrer la peur et la méfiance. Un échec parce que non seulement le peuple ne s'est pas soulevé contre ses souverains, mais voilà de surcroît Élie menacé de mort, en représailles logiques, par Jézabel. Élie fuit, non pas sur l'ordre de Dieu comme après sa première rencontre avec Acab, mais ici de sa propre initiative. Il ne se demande pas quelle est alors la volonté de Dieu pour lui. Il abandonne, de fait, le peuple de Dieu et sa mission. Élie focalise sur sa propre condition, non sur la portée de ses actes, dont il subit sans s'en apercevoir les conséquences. Il se croit délaissé par Dieu, et se pose en victime. Sa solution, se laisser mourir. Mais non, Dieu est là et par deux fois, par l'intermédiaire d'un ange, il va nourrir Élie dans la suite du texte, le relèvera et le remettra en mouvement sur le chemin de la vie. Après 40 jours et 40 nuits de marche, Élie arrivera au mont Horeb et trouvera refuge en ce lieu où Yahvé est apparu autrefois à Moïse sous la forme d'un buisson ardent. Et je vous propose, pour faire la liaison avec ce que nous venons d'entendre, de lire quelques lignes de la suite de l'action au chapitre 19, les versets 9 à 16. Et là, il entra dans une caverne où il passa la nuit. Et voici, la parole de l'Éternel lui fut adressée en ces mots. Que fais-tu ici, Élie?
Il répondit, « J'ai déployé mon zèle pour l'Éternel, le Dieu des armées, car les enfants d'Israël ont abandonné ton alliance. Ils ont renversé tes autels, ils ont tué par l'épée les prophètes. Je suis resté, moi, seul, et ils cherchent à m'ôter la vie. » L'Éternel dit, « Sors et tiens-toi dans la montagne devant l'Éternel. » Et voici, l'Éternel passa. Et devant l'Éternel, il y eut un vent fort et violent qui déchirait les montagnes et brisait les rochers. L'Éternel n'était pas dans le vent. Et après le vent, ce fut un tremblement de terre. L'Éternel n'était pas dans le tremblement de terre. Et après le tremblement de terre, un feu. L'Éternel n'était pas dans le feu. Et après le feu, un murmure doux et léger. Quand Élie l'entendit, il s'enveloppa le visage de son manteau, il sortit et se tint à l'entrée de la caverne. Et voici, une voix lui fit entendre ces paroles. « Que fais-tu ici, Élie ?» Il répondit, « J'ai déployé mon zèle pour l'Éternel, le Dieu des armées, car les enfants d'Israël ont abandonné ton alliance. Ils ont renversé tes autels, ils ont tué par l'épée tes prophètes. Je suis resté, moi, seul, et ils cherchent à m'ôter la vie. » L'Éternel lui répondit, « Va, reprends ton chemin par le désert jusqu'à Damas, et quand tu seras arrivé, tu oindras Hazaël pour roi de Syrie. Tu oindras aussi Jéhu, fils de Nimshi, pour roi d'Israël. Et tu oindras Élisée, fils de Shaphat, d'Abel-Méola, pour prophète à ta place. » La caverne, le désert, la nuit, l'isolement, la solitude, la détresse, le dénuement et l'introspection. C'est ici et maintenant d'Élie, à cet instant précis. Et voici que Dieu l'interpelle. Que fais-tu ici? Cette question compatissante que l'on pouvait aussi formuler par « Comment en es-tu arrivé là ?» n'appelle en réponse aucune argumentation ou stratégie de défense. Nous ne sommes pas dans un prétoire. Plutôt, une rétrospective des événements de fil en aiguille jusqu'à un point précis de l'existence. Dieu cherche ici à susciter la réflexion, la conscience d'une responsabilité même chez le prophète. Et que répond Élie ? Je t'ai servi de tout mon zèle, les autres sont mauvais ou peu fiables, en quelque sorte. Et moi qui suis seul, moi, on veut me tuer. Je ne comprends pas, je mérite autre chose. Dieu a donné des indices à Élie, en le sauvant de la mort, en poussant sa marche à travers le désert, en le nourrissant. Et pourtant, c'est une mauvaise réponse. Ou plutôt une association de mauvaises réponses. Auto-justification, déresponsabilisation, culpabilisation de l'autre, et reproche à peine déguisé d'un présumé délaissement par Dieu, teinté d'une exigence rétributive, rien de nouveau. Mais Dieu est patient. Et voilà qu'à son tour, mais cette fois par lui-même, il va mobiliser les éléments. Faisant sortir Élie de l'obscurité de la caverne, image du moi dans lequel celui-ci s'est enfermé, Dieu se révèle à lui, non dans la puissance destructrice de la tempête, non dans les forces telluriques, ni dans le feu, ce même feu qu'Élie avait utilisé comme instrument de démonstration,
mais dans un murmure doux et léger. Oui, Dieu est là, dans l'à peine perceptible d'un souffle de vie. Cette fois, Élie comprend, apparemment. Cependant, à la question réitérée, « Que fais-tu ici ?», il se borne à renouveler sa première réponse. Décidément, se remettre en question n'est pas chose facile. Que fait alors Dieu? Il s'agace, il se fâche, il réprimande, il reproche? Non. Dieu fait grâce. Dieu est grâce. Il confie à Élie trois ultimes missions. Lui offre une transition positive par laquelle il moindra deux rois, dont le nouveau roi d'Israël, et son propre successeur, le futur prophète Élisée. Le ou les auteurs de ces récits, comme souvent dans le Premier Testament, nous tendent avec le personnage d'Élie une sorte de miroir de nos propres fragilités, aux conséquences parfois catastrophiques. Force est de constater que quelques 2600 ans après leur écriture, ces lignes demeurent très actuelles. Elles nous mettent en garde contre la tentation de parler et d'agir à la place de Dieu. Pire encore, de l'instrumentaliser au profit d'ambitions purement humaines. Se pose alors la question essentielle de notre représentation de Dieu. Élie cristallise sur sa conception d'un Dieu de puissance spectaculaire et finalement de mort. Alors certes, Dieu est bien le feu du ciel qui a allumé le bûcher mouillé de l'Holocauste lors du défi, mais il n'est pas que cela, surtout pas. Dieu se révèle dans son absolu, au contraire, dans une force de vie face à l'adversité, dans la patience et dans la bienveillance, dans l'imperceptibilité au cœur du quotidien. Je citerai Daniel Marguera selon lequel, à sa manière, Élie a découvert le Dieu de Jésus-Christ qui n'est pas arrivé de manière fracassante, mais dans un souffle, vulnérable, faible parmi les faibles, livré à l'hostilité et aux soupçons, seul devant sa mort, témoin d'un Dieu tellement différent de celui de nos rêves. Fin de citation. Ce Dieu-là, dans son exaltation, puis dans sa détresse, Élie ne le reconnaît pas. Il s'obstine à rester centré sur lui-même, sur sa perspective triomphale d'abord, puis sur son abandon supposé ensuite. Élie devient son propre sujet, au point de s'arroger le droit de sa propre définition, ô combien erronée, de Dieu. S'il en est là, c'est aussi parce que, face à un renversement inattendu de situation, il a renoncé à assumer sa responsabilité individuelle à l'égard de ses semblables. Ils sont coupables, lui bien sûr, il est incompris et il a dû fuir. Et surtout, il a perdu sa confiance en Dieu, s'en croyant délaissé, incapable qu'il était de considérer les choses en réflexivité. Tout au long de ce parcours quelque peu caillouteux d'Élie, mis en scène par le ou les auteurs du texte, nous pouvons lire en filigrane une direction que Dieu nous donne à suivre dans nos existences. Une direction dans laquelle nous sommes invités en conscience, en confiance, en responsabilité et en humilité à changer notre regard sur Dieu, hors de toute représentation bénéfice attendu, à l'intégrer en nous dans sa fragilité, son imprévisibilité et même son imperceptibilité. Ainsi éclairé par l'Esprit qui est en vérité œuvre de Dieu en nous, nous pourrons à notre tour, hommes et femmes de passage, comme Élie, messagers et messagères de vie, nous laisser porter par ce souffle de Dieu qui nous rend libres.
paix, chacun et ensemble. Amen. Le désir de notre cœur, Seigneur, est de redire ton nom, et de le redire comme un murmure d'espérance, comme la présence d'un amour. Le désir de notre cœur est de redire ton nom, comme un murmure de confiance, au cœur de nos inquiétudes, au cœur de ce monde en combat. Le désir de notre cœur est de redire ton nom, pour qu'il vienne rejoindre nos vies, nos peurs et nos espérances, nos quotidiens et nos lendemains. Le désir de notre cœur et de redire ton nom, pour que tu verses dans les vases fragiles de nos vies l'eau fraîche de ta parole, pour que tu fasses fleurir dans nos solitudes et nos inquiétudes les fleurs de ta tendresse. Le désir de notre cœur est de redire ton nom, pour que le souffle de ton esprit nous emporte vers toi et vers nos frères et sœurs en humanité. Amen. Le spontané suivant. Oh,
le moment des annonces. Tu commences, Isabelle? Ouais. Les annonces sont simples puisque c'est les vacances, il n'y a pas beaucoup d'activités et que Dominique est absente en plus. Alors, bien sûr, vous savez qu'il y a la collecte pour l'épicerie solidaire de la Croix-Rouge à laquelle vous êtes cordialement invité à participer toutes les semaines. Il y a la pause spirituelle jeudi 26 à 12h30. Le culte de la réformation avec scène dimanche prochain, Dominique sera là, à 10h30. Et également le culte régional de la réformation qui a lieu le mardi 31 octobre à 19h30 à l'église luthérienne de la rue Pierre-Nicole. C'est l'église luthérienne Saint-Marcel, 24 rue Pierre-Nicole dans le 5e arrondissement, métro Port-Royal. Et je passe la parole à Hervé. Alors, un petit complément d'ordre technique hein, pour les personnes qui, habituellement, des petits soucis d'audition. Nous sommes désolés, mais aujourd'hui, la boucle sonore ne marchait pas pour les casques. Donc, la technique a fait des siennes. On fera mieux la prochaine fois, déjà, peut-être le signaler. Et puis, dans les compléments, alors déjà, des remerciements pour Patrick qui accompagne ce culte à l'orgue et qui, je le signale, donc a bien voulu se prêter au jeu, c'est le cas de le dire, de l'interprétation de plusieurs extraits. Vous en avez entendu un en entrée, un juste après la prédication, vous en entendrez un autre en clôture, d'un oratorio de Mendelssohn. Je pense que le titre ne vous surprendra pas puisque le titre de cet oratorio c'est Elias, Élie, voilà. Si vous voulez le détail des différentes pièces, on pourra vous le donner à la fin du culte. Et également, pour vous signaler aussi un cycle de conférences qui est organisé par nos amis du Temple de la Rencontre, dans le 10e, 17 rue des Petits Hôtels. J'ai assisté, donc le thème c'est « Cycle autour du vêtement et de la nudité dans la Bible ». Il y a eu deux premières conférences absolument passionnantes par Corinna Combé-Galland, qui est professeure honoraire de Nouveau Testament à l'Institut protestant de théologie. Et il y aura donc une conférence le 16 novembre par la pasteur Géraldine Walter, donc le vêtement dans l'œuvre de Christian Boltanski. Donc là, c'est plus une approche artistique. Et ce sera complété également le 30 novembre par Textile et Mémoire, par Lucille Encrevé, docteur en histoire de l'art, professeur à l'École nationale supérieure des arts décoratifs, et c'est à 19h30. Donc n'hésitez pas parce que c'est effectivement des conférences d'excellente qualité. Voilà. Et je laisse la place à M. le Président. Bon ben, moi je vais venir vous parler de quelque chose dont on ne parle pas beaucoup au foyer de l'âme, je crois qu'on n'aime pas beaucoup en parler, c'est l'argent. Ben oui, mais comme la plupart d'entre vous le savent, peut-être certains ne le savent pas, notre église n'est pas adossée à des siècles d'amasse, enfin de fortune amassée. Je ne pense à personne bien sûr, mais elle vit uniquement des dons, des fidèles. Or cette année, au foyer de l'âme, on va être en difficulté. Je l'annonce déjà, il y a un mot du trésorier qui va apparaître dans l'amitié à venir. On a des frais très importants qui sont arrivés, entre autres la taxe foncière qui explose, des choses comme ça. Et on a une baisse très nette des offrandes nominatives, entre autres, je ne parle pas des offrandes pendant le culte, mais les offrandes nominatives. Celles de septembre sont toujours très importantes cette année. On a 7 000 euros de moins d'offrandes que d'habitude, donc ça va être difficile. Alors, je sais que chacun fait ce qu'il peut avec ses moyens, et on vous demande bien sûr pas de vous saigner pour l'église, parce que c'est pas le but, mais là il faut vraiment réagir, parce que on va avoir du mal à finir l'année. On a un petit peu, tout petit peu de réserve, parce qu'on a décalé des travaux qu'on devait faire en dernier, mais des travaux plus on les décale, et pire c'est, parce qu'au bout d'un moment il faut les faire, et comme on a attendu pour les faire, ça coûte encore plus cher que si on les avait fait sur le moment.
Là, s'il n'y a pas une réaction, alors je le dis pour les gens qui sont là, mais parlez entre vous aussi, là, s'il n'y a pas une réaction, on va être en difficulté. Vraiment. Je sais qu'on n'a pas vraiment parlé d'argent ici, mais là, il faut qu'on le fasse. Un certain nombre de gens, ce qui est bien, c'est d'avoir des dons réguliers qui arrivent tous les mois. Vous pouvez les faire par virement, par chèque, comme vous voulez. Il y a un certain nombre de gens qu'on connaît, qu'on voit régulièrement au culte, on est très content de les voir, mais qui font partie de l'association culturelle et qui n'ont pas forcément ce réflexe de donner. Et c'est important, parce que là, vraiment, on va avoir du mal à boucler la tête. Voilà. Donc en attendant, on va passer à la fin du culte, bien sûr, qui sera accompagné par Patrick. Je vais aussi, moi, passer avec le panier connecté, s'il y a des gens qui n'ont pas liquide et qui n'ont que la carte bleue. Donc voilà. Alors, comme dit Dominique, ça va quand même être dans la joie, on le fera toujours, on sait que ça doit être un don joyeux. Alors voilà, on compte sur vous. Seigneur qui nous aime, nous te prions pour nos frères et sœurs qui sont dans le chagrin, celles et ceux qui, proches ou lointains, sont éprouvés par le deuil, la maladie, la souffrance ou la guerre. Donne-nous d'être pour eux les témoins agissants de ton amour et de l'espérance dans la foi. Et nous pouvons prononcer à voix haute, dans le secret de nos cœurs, la prière que Jésus a enseignée à ses disciples. Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire au siècle des siècles. Amen. Et je vous prie de vous lever pour entendre l'exhortation. Nous resterons debout à la suite de l'exhortation pour le dernier sacrement et la bénédiction.
pandémie, nous nous faisons parfois l'image d'un Dieu de puissance et de force, faussement rassurante en nos fragilités. Nous nous centrons sur nous-mêmes et rompons notre lien à Dieu. Mais Dieu, contrairement à nous, ne se décourage pas. Il dirige nos pas à travers nos déserts, nous fait sortir de nos cavernes et se fait connaître en un murmure de grâce qui pénètre au cœur de notre détresse, de nos blessures. Aujourd'hui encore, le Seigneur passe et nous dit « Sors et reprends ton chemin ». Dans la paix et dans la foi.